soyons dans la joie de croire. Que notre fidélité et notre charité se fassent inventives. Que notre témoignage et notre présence à tous demeurent audacieuses. Heureux de vivre l'Église d'aujourd'hui, écrivons ensemble les belles pages de son avenir. Nous sommes invités à montrer que derrière toutes sortes d'indifférence à nos frères, au visage des autres, il y a le visage de Jésus-Christ qui est capable de se révéler là où nous ne l'attendons pas. Fermer une porte sainte, c'est ouvrir nos cœurs aux appels du Christ. La fin d'un jubilé doit être un commencement nouveau. La porte sainte n'est pas une porte parmi les autres. Elle est Jésus-Christ en personne. Qui passe par moi aura la vie éternelle.